Un nom à retenir de 7 euros, c'est Valentin Porte. Quasiment anonyme, hein, il y a un an, enfin anonyme pour le grand public, il s'est imposé là comme la révélation et le grand espoir de cette équipe. Il fait déjà depuis un moment la fierté de son club, le Phénix de Toulouse. Reportage Wilfried Templier et Gerson Diard. À Toulouse, il est la fierté du club. Discret, mais avant tout bosseur, Valentin Porte est le coéquipier et copain idéal. C'est un vrai gentil Valentin, c'est-à-dire qu'il est, il a pas une once de méchanceté, de rien. C'est un mec qui travaille bien, c'est un mec qui est agréable au quotidien, qui a toujours la banane. Je pense que c'est un plaisir pour ses coéquipiers, mais c'est surtout aussi, à mon avis, un plaisir de l'entraîner et de le voir évoluer tous les jours. Repéré à 18 ans, Valentin Porte intègre le centre de formation du Phénix Toulouse. Là-bas, il y côtoie le capitaine des Bleus, Jérôme Fernandez. À ses côtés, le petit nouveau apprend et fait ses preuves rapidement. On a tout de suite vu que c'était un profil de haut niveau. Pas au niveau où on l'a vu sur les derniers championnats d'Europe, mais un niveau qui lui a permis petit à petit de gravir les marches et devenir un titulaire incontestable chez nous. Déjà élu joueur du mois de décembre par la Ligue nationale de handball, Valentin Porte n'avait plus qu'à éclore. L'Euro n'a fait que confirmer son talent.